Hey, it's the Midnight Special. C'est une nouvelle capsule de crédibilité avec Antoine Lafortune. Like, subscribe and put notre pouce par en haut pour être de bonne humeur et joyeux. Donc, c'est ça. Traverser la rue. Traverser la rue. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Quand on est sur un coin de rue, il y a des énergies qui sont là. Puis, si c'est une rue assez ancienne, ben les énergies sont là depuis très, très longtemps. Donc, les rues deviennent des vortex énergétiques. Ben pas des vortex, mais des réseaux énergétiques. On va dire des réseaux énergétiques. Quand on a deux courants contraires, on a un courant dans une direction, puis on a un courant dans l'autre direction, bien là, il arrive à une espèce de spin qui se produit. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Ça, c'est la version simplifiée. Okay. Fait que quand tu traverses la rue, puis, mettons, tu arrives à un coin de rue, puis il y a deux voies dans les quatre directions. OK? Tu arrives à une lumière, puis tu t'en vas, toi, perpendiculairement au sens de la circulation. Hein? Donc, si tu pars du trottoir, puis que ton énergie est comme dans un état de calme, puis que tu maîtrises ton énergie, puis que tu la ressens aussi, quand tu vas traverser la rue, là, tu vas sentir, en arrivant au premier quart de la rue, en traversant, tu vas sentir une augmentation d'énergie. Mais tu vas sentir que le courant, ça va dans cette direction-là. OK? Donc, ça va faire une espèce de spin énergétique dans ton biochamp. Ouais, ton biochamp. On va appeler ça comme ça, pour aujourd'hui. Et quelle nomenclature! Donc, l'énergie va tourner, va aller dans cette direction-là, donc ça va faire tourner ton champ dans cette direction-là. Là, tu vas arriver au milieu de la rue, la ligne jaune. La ligne jaune qui sépare l'autre voie. Et puis là, le trafic, il s'en va dans l'autre sens. Fait que là, quand tu vas arriver au centre de la rue, là, tu vas être dans une espèce de tourbillon qui a déjà commencé dans une direction. Et puis, à cause que tu franchis cette ligne-là où est-ce que l'énergie circule toujours dans la même direction, tu vas sentir dans ton biochamp l'énergie qui s'en va dans l'autre direction puis qui va te faire tourner dans l'autre sens, qui va affecter ton énergie dans l'autre sens. Même s'il n'y a pas de voiture, parce que, bon, la lumière est verte, tu traverses, mais tu ne t'en rends pas compte. Quand tu traverses une rue, tu fais juste traverser une rue, là, c'est juste c'est une lumière verte. Donc, tu continues, tu penses... mais quand tu traverses une rue en conscience, tu sens l'énergie, puis tout le passé, puis toute l'énergie qui a circulé dans ces rues-là, tu sais. Puis tu vois aussi que quand tu penses à tel endroit, il y a une courbe énergétique qui monte, puis après ça, tu as une courbe qui descend, quand tu arrives au milieu de la rue, puis quand tu dépasses, puis là, tu retombes dans l'autre direction. Là, tu as une autre courbe qui monte, mais dans l'autre direction. Puis, quand tu arrives sur le trottoir, de l'autre côté, mais là, paf, là, tu peux te recueillir, tu sais, puis tu peux retrouver ton propre spin personnel. C'est une petite capsule comme ça, rapide. Merci d'avoir été attentif.